Il s'est passé quoi là? Je sais pas, ça ressemble un peu à Burke du film Dragon. La dernière chose dont je me souviens, c'est qu'on trouvait cette petite figurine de viking vachement réaliste. Moi, enfin bon, c'est bien beau, mais on fait quoi maintenant? Ah, vous voilà! On se connaît? Je vous ai cherché partout, on doit finir la classification des dragons cet après-midi. Je crois pas, non. Ok, bon, t'as un génotypage au moins partiel des espèces? Quoi? Attends, attends, attends. Est-ce que c'est pas le truc où tu rentres dans un dragon et tu regardes comment c'est dedans pour classifier? Bon, bah, c'est pas comme si on avait autre chose à faire. Bon, bah, vu qu'on n'a rien à faire, on va les classifier, ces dragons. Les gars, à quoi ça sert qu'on fasse ça? Regardez là, il y a des gens qui l'ont déjà fait, hein. Oui, mais non. Ces classifications semblent assez arbitraires et ne disent pas vraiment sur quoi elles sont basées ni comment elles ont été construites. Et puis elles s'intéressent soit à la position des dragons en général, soit à la classification des dragons de différents univers. Là, on va essayer de viser plus précis avec seulement 54 espèces qui sont présentes dans la licence Dragon de DreamWorks. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cet univers, Dragon se déroule dans un univers a priori très similaire au nôtre, à ce détail près que toutes sortes de dragons y vivent. Les films, la série et les jeux se déroulent dans un archipel sous un climat apparemment arctique. Plus précisément sur l'île de Burke, située selon les dires de Harold, le personnage principal. À 12 jours au nord du désespoir et quelques degrés au sud d'un froid de canard, ancré solidement sur le méridien de la misère. Cette île est la demeure d'une tribu de vikings extrêmement caricaturaux, mais aussi la cible d'attaques fréquentes et apparemment groupées de dragons. Pour survivre, notre tribu viking a développé toutes sortes de défenses, mais aussi un certain niveau de connaissance des dragons et de comment les combattre. Cela passe par une classification des dragons basée sur leur capacité au combat, la classification de Bork le malchanceux. Celle-ci est composée de 7 classes au nom pour le moins explicite. Les marins sont de grands dragons vivant dans ou proche de la mer et ne crachent pas de feu. Les enflammés sont des cracheurs de feu compulsifs et ont cette sale manie de s'enflammer eux-mêmes. Les rocailleux ont la capacité assez étonnante de manger des cailloux. Ils ont aussi des ailes particulièrement petites par rapport à leur corps. Les traqueurs sont un peu les rôdeurs des dragons. Ils ont un sens de l'odorat et du goût très développé, ce qui les rend extrêmement efficaces quand il s'agit de suivre des pistes. Les aiguisés sont... aiguisés. Ils sont caractérisés par des parties pointues ou coupantes sur leur corps. Les mystérieux sont une classe un peu fourre-tout. On ne connaît pas grand-chose de ces dragons à cause de leur comportement. Ils sont décrits comme furtifs et vicieux. C'est le genre de dragon à récupérer les os d'autres dragons pour s'en faire une armure. Finalement, la classe des plus classes, les foudroyeurs. Vous avez le droit de l'appeler Michel pour cette blague. Même si c'est moi qui l'ai écrite. Ce sont les plus intelligents, les plus rapides et ils ont une mâchoire sacrément musclée. Comme si ça ne suffisait pas, ils sont aussi connus pour leurs attaques précises, puissantes et explosives. Cette classification est pratique lorsqu'il s'agit de combattre des dragons. Quoique, on verra qu'elle manque parfois de précision. Mais elle ne donne pas vraiment plus d'informations que ça. Alors on va tout refaire, depuis le début. Pour que vous compreniez mieux la suite de l'épisode, commençons par expliquer comment lire un arbre phylogénétique. Vous en avez sûrement déjà vu. Ça peut ressembler à ça, 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 ou ça. Mais bon. Pour les besoins de l'explication, on va en prendre un bien plus simple. Ça, c'est les feuilles. Ça sera ce qu'on cherche à classifier. Ça peut être aussi bien des espèces, des sous-espèces, des classes, des genres, voire des galaxies. Pour le temps de cette explication, ça sera des équipements de salle de bain. Attention, l'arbre utilisé dans cet exemple n'est pas basé sur des données réelles et a été réalisé totalement arbitrairement sur une pulsion lors de l'écriture de ce script. L'arbre est une représentation de la ressemblance entre ces équipements. Plus il faut remonter loin dans l'arbre pour lier deux équipements, moins ces équipements vont se ressembler. Par exemple, on voit que le robinet anguleux ressemble plus au robinet courbe qu'il ne ressemble à une douche, car il faut remonter plus haut dans l'arbre pour lier le robinet anguleux à la douche que pour lier le robinet anguleux au robinet courbe. De la même façon, les deux types de robinet et la douche se ressemblent plus entre eux qu'ils ne ressemblent à une cuvette de toilette. On dit que ces trois équipements, les deux types de robinet et la douche, forment un groupe monophylétique. Autrement dit, toutes les choses qui sont dans ce groupe sont plus proches entre elles qu'elles ne sont proches de quoi que ce soit qui soit en dehors de ce groupe. C'est vachement important. Alors j'insiste un peu. Ça, c'est un groupe monophylétique. Ça aussi. Ça non. Pour avoir un groupe monophylétique, il faudrait que le chimpanzé et le gorille soient dans le groupe, vu que l'homme est plus proche de ces deux espèces qu'il n'est proche du gibbon. Monophylétique? Pas monophylétique. Oui? Non.
En phylogénie, quand on crée des groupes, on veut que ce soit des groupes monophylétiques. C'est pour ça qu'on dit que les poissons n'existent pas, ils ne forment pas un groupe monophylétique. Et si vous ne l'avez pas assez entendu, monophylétique ! Attention ! Sur cet arbre, on voit la latrine juste à côté de la douche. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont proches. La douche reste plus proche du robinet courbe que de la latrine, vu qu'il faut remonter jusqu'ici pour lier douche et robinet courbe, et jusque-là pour lier douche et latrine. Ouais, bon, du coup ton arbre, il sert juste à y voir un peu plus clair. Pas exactement, parce qu'il existe une partie de l'arbre que je ne vous ai pas présentée. Les nœuds. C'est eux, là. Ouais, il y a des lignes qui se croisent. Sauf qu'à chaque croisement de ces lignes, il y a un ancêtre commun. Un ancêtre commun, c'est une espèce théorique. On dit ancêtre commun parce que c'est l'ancêtre de tout le groupe monophylétique qui lui est lié. Et théorique, parce qu'on ne placera jamais une observation, que ce soit une trace d'espèce éteinte ou une espèce contemporaine, sur un nœud. Bah oui, parce qu'on n'a aucun moyen de savoir si le fossile qu'on a trouvé est bel et bien l'ancêtre d'une espèce. Tout ce qu'on peut faire, c'est voir à quel point ils se ressemblent. C'est pour ça que les latrines, qui ne sont plus utilisées aujourd'hui, sont placées juste à côté de nos cuvettes de toilettes dans notre exemple. Bon, et selon la méthode que l'on a utilisée, il y a un dernier truc bien pratique avec les arbres. La reconstruction de l'histoire des caractères. À partir des caractéristiques des groupes que l'on a classés, on peut estimer quand chacun des caractères de ces groupes sont apparus. Et quand je dis « quand ils sont apparus », ça veut pas forcément dire que l'on va connaître la date précise de l'apparition du caractère. Pour notre exemple, on pourra juste dire « avant ci » ou « après ça ». Mais voyons ça de manière plus concrète. Le caractère « être en métal » est présent dans tout ce groupe, mais pas dans celui-ci. Il a donc dû apparaître ici. Maintenant, prenons le caractère « utiliser de l'eau ». Ce caractère est présent dans tout un groupe, celui-là, et une partie de l'autre. Là, on a deux possibilités. Le caractère « utiliser de l'eau » peut être apparu très tôt, ici, voire plus tôt. Alors, cela voudra dire que l'on a eu une apparition ici ou avant, mais aussi une réversion, ici. On dit une réversion parce que le caractère est revenu à son état ancestral, ici, ne pas utiliser de l'eau. La deuxième possibilité, c'est que ce caractère soit apparu deux fois dans deux branches différentes de l'arbre, ici et ici. Ça se produit assez souvent quand des organismes différents développent la même adaptation à un même environnement. Par exemple, c'est le cas des nageoires d'un thon et celle d'un dauphin. Elles ont la même fonction dans un même environnement, mais elles ont évolué séparément. C'est bien beau ton affaire, on sait lire un arbre, mais on n'en a toujours pas. Un peu de patience. Avant de faire notre arbre, il faut poser quelques bases. D'abord, on considérera comme source sûre, dans l'ordre, les films, la série, les jeux, et finalement le site internet How to Train Your Dragon Wikia. Ensuite, on considère que comme Harold nous le fait remarquer... Des pattes palmées? Mais bien sûr! Tu sais pas voler, donc il fallait que tu trouves un moyen d'aller d'île en île, et pour ça tu t'es adapté, t'as évolué! Une preuve tangible de l'évolution des dragons! Ouais, léger comme preuve. Mais l'univers des dragons semble assez proche du nôtre. Du coup, considérer que les dragons sont soumis à l'évolution, ça semble assez raisonnable. Voilà, on a nos bases. Il ne nous reste plus qu'à créer l'arbre. Pour ça, il existe deux grands types de méthodes. La méthode cladistique et la méthode phénétique. À tes souhaits. La méthode phénétique, je vous la garde bien au chaud pour une autre vidéo. Pour le moment, on va se concentrer sur la méthode cladistique. C'est la méthode la plus précise, et elle permet de reconstituer l'histoire des caractères. Mais, et on va voir ça bientôt, elle demande énormément de temps de calcul. L'objectif de cette méthode est de recréer l'arbre qui représente le mieux les liens de parenté entre les groupes que l'on veut classifier. D'abord, il nous faut les informations sur lesquelles nous baser pour créer notre arbre. De nos jours, les chercheurs utilisent principalement la génétique pour obtenir ces informations. Sauf que là, on n'a pas vraiment accès à l'information génétique des dragons. Du coup, on se rabat sur les caractères physiologiques et comportementaux. Et on met tout ça dans un tableau. Un grand tableau. De 54 espèces par 104 caractères. Dans notre cas, on aura deux types de caractères. Les caractères binaires, c'est-à-dire les caractères que l'on a ou que l'on n'a pas, par exemple cracher du feu, et les caractères qui peuvent prendre plusieurs états, comme le nombre de cornes. Ensuite, il faut transformer tout ce gros tas de chiffres en un arbre. Et pour ça, on n'a rien trouvé de mieux que de recréer tous les arbres possibles et de trouver celui qui est le plus probable. Sauf que là, on a 54 espèces de dragons à classifier. Ça va nous faire toute une forêt. Ah ouais, là, on a un petit peu plus qu'une forêt. On est à un peu moins de 3 x 10 puissance 84 arbres possibles. Autrement dit, 3 avec 84 zéros derrière. Pour vous faire une petite idée de ce que ça représente, on estime à 10 puissance 80 le nombre d'atomes dans l'univers visible. Donc voilà, la méthode cladistique, c'est précis et ça permet de reconstituer l'histoire des caractères, mais c'est très très long. Ok, donc en gros, la méthode que tu proposes, elle est pas faisable. Pas tout à fait. On peut contourner le problème. Pour ça, on va créer un arbre, au hasard, contenant toutes nos espèces. Et ensuite, on va faire des petites modifications dans cet arbre. Si l'arbre modifié est mieux que l'ancien, on le garde,
et on continue à faire des modifications sur le nouvel arbre. Sinon, on essaye une autre modification, et on continue à faire ça le plus longtemps possible. Et là, on se heurte à un autre problème de la méthode cladistique. C'est qu'on se retrouve le plus souvent avec plein d'arbres qui sont aussi bien les uns que les autres. Pour pouvoir travailler sur un seul arbre, on fait ce que l'on appelle un arbre consensus. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. Mais ici, on a seulement gardé les sous-groupes s'ils étaient présents aux 90% des meilleurs arbres. Et voilà le résultat. Je crois qu'il va falloir que tu développes un peu tout ça. Sur cet arbre, si on décide, totalement arbitrairement, de créer 10 groupes différents, on voit 3 grands groupes qui ressortent. Pour le moment, je vais en nommer que 2. L'ancêtre commun et la majorité des dragons du groupe de droite ont un museau en forme de cône. En me basant sur les mots cône et museau en latin, je les appellerai les conaribus. Dans le groupe du milieu, on remarque que toutes les espèces, sauf ces deux-là qui apparemment veulent nous embêter en revenant à leur état ancestral, crachent des choses. Pas forcément du feu, mais des choses. En continu. J'appellerai donc ce groupe les flumignis. Michel, quelque chose à ajouter ? 3 choses. Les dragons qui sont classés comme marins par Bork le malchanceux se retrouvent pas mal concentrés dans le groupe des conaribus. Surtout à cet endroit-là. Yup. D'ailleurs, si on regarde comment s'est développé le caractère cracher du feu, on remarque que ce caractère a disparu justement à cet endroit. Il y a donc eu une réversion. En creusant un peu, on voit aussi que seulement un de ces dragons n'est pas spécialement connu comme bon nageur. Du coup, je propose de redéfinir la classe des marins pour la faire correspondre à ce groupe. Les enflammés sont aussi pas mal concentrés dans l'arbre. Vous savez, ceux qui se mettent le feu tout seuls. Bon, pour ce qui est de s'auto-enflammer, il y en a que 3 sur 8 qui le font, et encore, pas forcément en entier. Par contre, on remarque que l'un des traits ancestraux de ce groupe, c'est de cracher du feu. Oui, c'est pas si commun que ça en fait chez ces dragons. Du coup, j'ai élargi le groupe des enflammés pour le faire correspondre à celui qu'on a là. La dernière chose que j'ai remarqué, c'est que les rocailleux sont quasiment tous regroupés ici. On pourrait donc appeler ce groupe, nouveau groupe, les rocailleux. Surtout que le caractère qui représente le mieux ce groupe, c'est d'avoir des ailes plus courtes que le corps. Un des caractères qui définissait les rocailleux dans la classification de Bork le malchanceux. Pour les 4 autres classes, j'ai rien. Il faut dire que ces classes étaient définies soit par des caractères assez vagues qui débordaient souvent sur les autres groupes, soit carrément par des caractères qui étaient présents sur tous les groupes. Comme le fait d'avoir des parties pointues pour le groupe des aiguisés. Ça tient pas vraiment quand on sait que la majorité des dragons ont des épines. On se retrouve donc avec de nouveaux groupes. Les rocailleux, les marins et les enflammés correspondent plus ou moins aux anciens groupes qui portaient ces noms. On a aussi un très grand groupe tout nouveau appelé les conaribus. On a aussi nommé quelques autres groupes. Les rochivores sont ceux qui ont la capacité de manger de la roche. Et les spinocodus ont plein d'épines le long de la queue. Ce groupe-là, on l'a appelé les thumbpaw. Parce qu'ils ont un doigt opposable, comme notre pouce. Et lui, c'est les biscornus, qui ont 2 cornes, à ce niveau-là. Yay, on a nos groupes. C'est quand qu'on rentre ? 2 secondes, j'ai un dernier truc à présenter. Maintenant qu'on a nos groupes, on peut extrapoler à l'apparence de leurs ancêtres communs. Bien sûr, on ne pourra faire ça facilement que sur les caractères qui ont servi à construire notre arbre. Pour les longueurs des coups, queues et pattes, ou pour la couleur, j'ai dû choisir arbitrairement. Un petit détail, les dessins ont été faits par Artemis, et vous avez le droit de vous en moquer. Hey, c'est lui qui m'a dit de dire ça. Voilà donc à quoi pourrait ressembler l'ancêtre commun de tous les dragons que l'on a étudiés. Vu que c'est l'ancêtre commun à tous nos dragons, on le place à la racine de notre arbre. On a ensuite l'ancêtre commun du groupe des conaribus. On remarque l'apparition d'une membrane qui lie les épines entre elles. Elle pourrait permettre une meilleure régulation de la température interne du dragon. L'ancêtre commun des flumignis, lui, a développé une crête, qui lui sert sûrement en tant que défense lors de l'attaque d'un potentiel prédateur, ou d'un combat avec un autre dragon de la même espèce. Il perd aussi ses pattes avant, et devient donc bipède. Finalement, l'ancêtre commun des rocailleux ressemblait sûrement à ça. Le principal changement est la taille réduite des ailes. On sait que ces ailes plus petites ne signifient pas forcément des capacités de vol moins bonnes que la moyenne. Peut-être que ça leur permettait de se déplacer plus facilement dans des endroits étroits, comme un tunnel. Un truc marrant, c'est que sur tous ces ancêtres, qui sont des dragons, aucun ne crachait du feu. Ni quoi que ce soit d'ailleurs. Bien sûr, on ne fait que supposer ce à quoi servaient les caractères, en se basant sur ce à quoi ils servent dans les bestioles que l'on connaît. Bon, mais du coup, on fait quoi maintenant ? Je sais pas. Pareil qu'il y a une course de dragons dans 10 minutes. On peut toujours aller voir. Non mais sérieusement, il faudrait peut-être songer à rentrer, non ? Ah ! Home sweet home. Wowzer, you are blowing it ! Quoi ? «
Les gens, vous êtes où ?